Ouais, salut, c'est Zetmort. Je vais tester une petite cave. Bon, c'est surtout pour tester. Je teste un record local, carrément, 120 FPS. Puis bon, c'est une cave, je joue en musique. On est parti! Freddy, Freddy, don't shoot, just stop. Hello, there's a mutant here if you want. I don't have the space, take it. Yeah, good music, man. Jump, jump. J'aurais pu le prendre en fait, mais bon. Oh, thanks. Oh, another one. Battery car, battery car. There. I don't need the battery, thanks. But the Bitan, yes. Bon, du coup, moi, je vais m'extraire. Hideout, c'est la grotte là-bas. Bon, je vais aller direct, parce que j'en ai besoin des deux butanes d'un point de quête. Ça tombe plutôt bien. C'est Cory Wong, un guitariste américain, excellent, j'adore. J'ai découvert il n'y a pas longtemps. Mais bon, je joue depuis longtemps, c'est un ancien bassiste. Il joue de la guitare maintenant, très funky. Pour info, il joue à Jazz à Vienne le 11 juillet, c'est un lundi. Et là, en fait, son album, ils ont sorti avec Dirty Loose, un groupe de Suédois, un trio de tarés là, qui fait des reprises de musique pop, mais on travaillait à mort avec des harmonies de jazz, fusion. Assez folle, très bon groupe. Et bon, voilà.
Je suppose que ça va être copyrighté, que si je le mets sur YouTube, ça va pas passer, mais bon. Là, c'était donc juste un test. Je teste le record local en enregistrant carrément en 120 FPS pour essayer de voir si je peux limiter des pertes de frames. Je crois que ça marche. J'ai fait un test juste avant aussi. Parce que mine de rien, quand je capture en 60 FPS, il y a beaucoup de frames. En fait, j'ai plus de frames droppés du tout. Ça marche bien. Mais même sans frames droppés, en fait, on se rend compte sur le résultat de la vidéo au final qu'il y a des frames en double. Il y a des duplicates. Donc, de temps en temps, l'image bouge juste pas, quoi. Il y a des images identiques. Donc là, j'ai tenté de la capture d'OBS sur le PC gaming, carrément sans FPS. Alors, ça ralentit un peu mon jeu, mais. Quand même, je suis sur phare et tout à fond, quoi. Ça monte à 100 FPS là, donc bon, ça va aller. 17 minutes, j'ai un peu de place. Bon, allez, on va faire la cache d'après. Après, je vais aussi voir si ça fait pas de tearing. Normalement, non. Ça me paraît pas mal. Ah, là, je perds l'endu très vite là, quand même. 23 kilos. Donc mon extract c'est là-bas, hein. C'est la grotte ici là. Mais bon. Il y a une cache très rarement faite juste après là. C'est une cache en bois et il y a souvent des armures, des casques, des sacs, enfin des gilets et un peu de tout. Donc j'aime bien la faire comme j'ai le temps. Et un peu de place. Un autre morceau. Troisième morceau de l'album.
changement de plan, je vais pas aller à mon extract, vu que j'avais du temps. Je vais aller faire cette cache là, il y en a encore une autre au coin là-bas. Alors maintenant que le train vient d'arriver, ça va peut-être être un petit peu tendu. On va se taper des PMC qui arrivent sur l'extract scab, et juste là au coin à gauche, là. J'ai double strength, la force du scab, génial. Et là ça risque d'être tendu si des PMC se ramènent pour faire l'extract. Puis il y a pas mal de trucs à looter dans le bâtiment, ça je leur laisse. Je vais pas aller jouer PVP en scav, faut pas déconner. J'ai qu'avec mon PMC je ne paye pas donc. Et puis il y a une dernière cache ici dans le coin là. Mon extract est juste derrière mais il va falloir contourner le mur quand même. Vous voyez, on doit être discret. Donc il y en a une qui parle dans le coin. Je me plante tout le temps. Il y a cet arbuste, normalement c'est là à gauche. Là. C'est pas facile à choper. Hein. On a un vrai point de repère maintenant. Voilà. Il y a presque full. Ouais, Malboro ça se revend. Il y a un trade avec, je sais plus pourquoi, mais ça se revend pas mal. Plus de 10 000 en tout cas, je pense. Peut-être un petit 15 000. Voilà, on va essayer de sortir comme ça. C'était mon petit test de record local. Je vais l'uploader sur YouTube, voir un peu la qualité que ça donne. Alors, faut voir que je peux plus faire ce record local dans cette qualité en streamant en même temps. Alors, ça va être tendu là. Parce qu'en fait, c'est important dans OBS de streamer avec le downscale réglé au niveau de l'onglet vidéo. Pour pouvoir choisir son algo de downscale, je vous recommande de mettre de pas mettre le Lanxos d'ailleurs, de bien mettre le bicubic. Ça filtre un petit peu et ça réduit les défauts, les blocs dans tous les sens quand on est sous antidouleur, surtout avec de l'herbe. Et du fait de réduire comme ça, bah, c'est que si je stream, bah, du coup le record local est aussi en full HD quoi. Mais bon, bref, là c'est un test en record local, tout simplement. Et puis voilà, mais allez, je vous laisse un petit morceau de fin, et puis je vais couper. C'était juste un test. Ah oui, je vais quand même ramener les deux propanes, et puis j'irai rendre ça pour ma quête. Allez, ciao!